Là, c'est très bien fait de la part de Benjamin Gomel. S'il a mis la balle au plus. Ouais, ouais, mais il la met sur le côté droit avec Clark Ntsikoulou qui rentre dans la surface de réparation. Ntsikoulou qui va pouvoir centrer. Oh, on n'était pas très très loin de l'ouverture du score. On va dire que c'est bien défendu, même si ce ballon sortira en touche pour les Manso et pour Alexandre Vardin. Mais très bien fait de la part de Clark Ntsikoulou. Et c'est Ibrahim Fofana qui n'était pas très loin d'ouvrir le score. La bonne défense de la part des Boulonnais. Attention avec Julio Donizac qui est passé. Et Julio Donizac qui va marquer. C'est ça aussi la confiance. La confiance elle n'est pas présente ici pour Boulogne-sur-Mer depuis plusieurs semaines maintenant. La preuve, Julio Donizac qui en profite, ça fait un but à zéro pour le Mont FC. Faut demander au président, on va l'appeler, tiens. Oh, c'est bien fait, ça c'est bien tenté. Et c'est bien réussi également. Le ballon qui va peut-être filer sur le côté gauche. Enfin, avec la possibilité pour Thiam d'ajuster un bon centre. C'est fait en effet avec la tête et l'arrêt encore de Pierre Patron. Il est toujours là, Pierre Patron. Quelle grosse situation. Benjamin Gomel est pas très très loin aussi. Reste à voir avec Azedine Swifi. C'est bon, il a sifflé. Jean Ruiz qui va tirer et ça passe à côté. J'ai l'impression que Pierre Patron n'avait pas vraiment prévu ça. Il est bien content, ouais. L'ancien gardien de Clermont, de voir ce ballon filer à côté du but. Julien Bay qui s'est positionné. Vargas Rios aussi pour pouvoir le tirer. Ce sera peut-être rentrant justement avec avec Beg. En effet, ce sera directement sur la barre transversale, peut-être dans un second temps derrière finalement. Ça va être dégagé, il n'y a rien, indique l'arbitre. Oh, il y a une main là. On demandait une main. Ouais. Julien Beck qui s'est fait plaisir. On va le savoir dans quelques instants. Et ben voilà. Heureux les Manceaux de mener un but à zéro ici pour cette 25e journée parce que très clairement, on n'a pas assisté à une très grande performance à la fois du côté des Manceaux, ni des Nordistes non plus. Ah, c'est bien fait ça sur le côté droit. On a totalement changé, le contrôle aussi il est réussi. C'est bien faux, second poteau. Oh là là, encore une nouvelle fois, nouvelle situation. Il se pose la question d'ailleurs, Ibrahim Fofana, comment il n'a pas pu mettre ce ballon au fond des cages. Et on se pose la même question que lui. Sur une situation arrêtée avec Julien Beg qui va tirer au premier poteau. Ça va peut-être revenir finalement, dégagement de la tête. Durel Avounou, de nouveau un dégagement de la tête. Encore Julien Beg sur à droite. Julien Beg qui arrive à passer. C'est très bien fait, rendant la surface de réparation. Le petit ballon, oh ça passe juste au-dessus des cages de Valentin Baume.